Oui, le VAR. Oui, je vous écoute, les bâtards. Alors, on le siffle ou pas, ce péno? Non, parce que moi, j'ai mis match nul à la mi-temps. Ah, tu as mis 1-0, but de Pépé à la mi-temps? Ah, cote à 38? Tu as mis 500 euros? D'accord. Bon, on le siffle alors. Comment on fait? Moi, je prends rien. Et tu me donnes 200 euros. Bon, mais ça va, ça va. Mais tu sais quoi, ça permettra d'acheter des cadeaux, hein. Bon, mais ça va. Allô? Ouais. Et cette faute de ton vin, là? Hein? Il n'y a rien? Il y a une jaune? Bon, ça va. M'appelez pas. Ne m'appelez pas. Je vais lui mettre rouge. On va assurer le sac, gros. Allez, bise, frère. Côte de tes morts, frère. C'est quoi? Oh. À mourir de la rue. À mourir de la rue. Hein? Fils de pute de la rue. Comment tu fais? Oh, tu t'es fait acheter, gros. Ça va, le Var. Bonsoir. Bonsoir, le Var. Ça va, le Var? L'avare ou le Var ou je sais pas quoi, moi. On va l'appeler le VAM. Hein? Vidéo anti-Marseille. Ça commence à faire beaucoup, quand même. Ça commence à faire beaucoup. Hein? Tu refusais des buts pour des positions. Je sais plus comment on appelle ça, pour que l'autre couvre le gardien. Ça va, les gars, c'était cramé ce match. Et c'était cramé, gros. Et on vous a cramé. Tu as mis combien, Amouru? Et ton assistant, il a mis combien? Hein? On va. Ça y est, c'est bon. Ça va. Ça va! Et ça va, je te dis, ça va! On a compris! On a compris, le Var! Camion de chien! Hein? On aurait dit quatre prostituées dans le camion! Hein? Prostituez-vous! Bande de chiens des montagnes! On a fait un beau match! Mais quand tout est réuni, tout est contre toi, même l'arbitrage, il est contre toi, et tu peux pas! Et tu peux pas, gros! Tu peux pas! Essaye de gagner un match où l'arbitre il est contre toi. Essaye de gagner un match où l'arbitrage ne veut pas que tu gagnes. Il voulait pas. Il voulait pas, gros. Il voulait pas position l'autre. Comment il fait? Il s'efface, frère. Mitroglou, il est là, il a arrêté. Il s'efface. Mais c'est tout à fait normal. Il fait pas action de jeu. Il est là, il est là. Comment il fait? Il disparaît. C'est Casper. Quoi que c'est Casper sur le terrain, lui. Oui, mais là, il pouvait pas vraiment disparaître. Mais il est souvent invisible. Et voilà. Et tout simplement, se sont déchiquetés. On s'est déchiquetés. Mais voilà. Tu peux pas, frère. Tu peux pas lutter. L'arbitrage, quand il est comme ça, c'est nos luttes. Don't lutte. Il y a eu un bon match de fait. Il y avait la rage, il y avait tout. Même si, putain, je trouve, putain, mais le vrai problème qu'on a, le vrai problème qu'on a, l'équipe, c'est qu'on joue 32 minutes, 25 minutes, et on laisse. Après, on laisse. Comme je l'ai dit dans mon précédent débrief, c'est donnant-donnant. Tiens, j'ai dominé. Vas-y, gros. Fais-toi plaisir. Et vas-y, on partage, nous. Eh ouais, c'est ça, les gars. Vous n'êtes pas régulier, vous n'êtes pas constant sur la durée. Vous ne pouvez pas faire ça 45 minutes et aller souffler dans les vestiaires. Non. Vous faites une pause. Vous faites une petite mi-temps. Une mi-temps dans la mi-temps. Eh ouais! Tu peux pas lutter, frère. Tu peux pas lutter. Tu peux pas. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. L'autre qui est là, il se fait toucher. Il se roule par terre. On dirait un bus, il a écrasé. L'autre, le middle, là, le milieu, je sais plus comment il s'appelle, là, avec sa chevelure, là, son brushing. Tu le touches, il tombe, il reste un quart d'heure par terre. Tout ça pour hacher le rythme, casser le rythme, et on a compris. Qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que je te dise? Nos attaquants aussi, c'est la rue. Je suis dépité. Radonjic, tu es bon. Mais quand tu cours, regarde ce que tu fais. Tu arrives à courir. Tu as ce petit truc de plus que NJ. Tu es un NJ et demi. Voilà. Tu n'es pas deux NJ. Tu es un NJ et demi. C'est-à-dire que tu te retournes. Tu vas vers le but. Mais fais les choses bien. L'essentiel, ce n'est pas que de courir, gros. Hein? Tu ne vas pas nous faire une NJ. Parce que tu n'es pas loin d'être un NJ, là. Mais tu as ce potentiel. Tu as cette qualité de dribbler, de percuter. Mais le dernier geste, fais-le. Tu es percutant, mais derrière, tu fais n'importe quoi. Hein, n'importe quoi, frère. N'importe quoi. Et à ma vie,
Putain, toi, je peux plus. Hein. Je te mens pas, je peux plus à ma vie. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je comprends pas à ma vie. Tu as des qualités, mais elles sont où? Qu'est-ce que tu as fait à ma vie? Pourquoi tu es devenu aussi nul du jour au lendemain? Je comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as à ma vie? Tu as un problème? Dis-le, j'ai pas envie de jouer. Tu es moisi, frérot. Tu te fais défragmenter. Tu sais que attaquer, on dirait que tu veux mettre des buts. Tu veux être décisif. Mais ton rôle, c'est pas d'être décisif, gros. C'est de bloquer le pépé de Bombier. Bloque-le, le pépé de Bombier. Eh ouais. Eh ouais, d'Archeville. Au Darcheux. Au Bob Sap. Au Mandendong. Bondendong. Madend. Hein? Tu apprends pas une, toi aussi? Ah, tu es moisi, frère. Tu es moisi. Va t'affûter. Tu as 9 kilos en trop. Tu as 9 kilos, gros. Oh, moi, tu me donnes 200 000 et j'ai des marques. Anorexique, frère. Même pas. Fin. Affûté. Je sorte de partout. Toi, tu es là. Tu touches 200 000. Tu es le gardien de l'Olympique de Marseille. Tu démarques. On dirait que tu es parti pour un combat de lutte, frère. Tu as le gabarit des sumo. Je sais pas quoi rajouter de plus. Hein. Balotelli, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, gros. Tu es arrivé, rak, mak, tak, tu as mis un but. Et tu aurais pu en mettre un deuxième. Franchement, ça me fait plaisir. C'est de bon augure. Je sens que tu es bien rentré. Tu vas nous faire plaisir, frère. Je le sens. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Peut-être que j'invente. Peut-être que j'invente. C'est qu'une illusion. J'espère pas. En tout cas, quand j'ai vu Rak Mak Tak, tes deux premiers touchés de balle, même si tu as tué un pigeon, frère, mais c'est pas grave. Derrière, pam, la tête, démarquage, Rak Mak. Bon, j'espère, franchement, même si j'ai le sourire, c'est le seul motif de satisfaction, tu vois. C'est le seul motif de satisfaction. Une belle entrée de Balotelli, mais il manquait beaucoup de combat. On l'a vu, il était bleu en 20 minutes de jeu. Donc j'espère vraiment que il va faire du bien à l'Olympique de Marseille. Franchement, ce qui me fait un peu mal au cœur, c'est le rouge de Thauvin. Suspendu, je ne sais pas, un match, on verra, deux ou trois, on verra la commission. Franchement, je ne sais pas, ce rouge, il est vraiment, vraiment pas mérité. Il y va, c'est vrai, il y va un peu fort. Il y va un peu fort, mais ça ne mérite pas un rouge. Arrête d'inventer. Depuis quand Thauvin, c'est un boucher. Arrête l'arbitre. Arrête. Tu as une tête, mon frère. Tu ressembles à rien. Tu ressembles à rien. Tu as la haine. Tu voulais pas qu'on gagne. Et tu voulais pas. Tu voulais pas, tête de schlag. Tu veux pas. Pine. Comme de ta figure d'angoisse, là. Tu es blanc. Tu es bleu. Et les pétards. Il est tombé un petit pétard comme ça. On en a fait un scandale. Hein? Et le 14 juillet, qu'est-ce que tu fais? Tu te caches dans ta cave, tu sors pas, un petit pétard. Question, gros! Tu voulais pas qu'on déclenche le plan Digipirate, frère? Hein? On appelle quoi? Le GIGN, la BRI? Et bon, bon, n'oubliez pas de vous abonner, les papas. Je vous fais un gros bisou. Prochaine débrief. Bise. Et ben là-bas!